Alors nous on participe au Grand Prix de l'École Navale depuis la première édition là, donc ça fait, j'ai pas le chiffre exact, mais ça fait pas mal d'années déjà. Nous on est des locaux, hein, on est un équipage de l'École Navale, donc un noyau des cadres de l'école, enseignants-chercheurs ici avec les élèves. Donc on fait du J80 depuis pas mal d'années aussi, et pour nous c'est vraiment intéressant de pouvoir régater ici. C'est très intéressant parce que c'est une régate qui est bien installée dans la classe, du coup il y a beaucoup de bateaux qui viennent, il y a un niveau intéressant. Et puis c'est un beau projet pour l'École Navale, ça fait vivre l'École Navale, ça fait venir plein de monde ici qui découvre l'endroit. Et puis je crois que maintenant les gens s'est bien installé dans la série, les gens sont bien habitués et apprécient beaucoup de venir ici. Alors nous on vient de Savoie, d'Aix-les-Bains particulièrement. On a décidé de venir, c'était la suite de notre programme, on était à la SNIM il y a à peu près un mois. On a fait 5e, on a fait une bonne régate, et là on est venu dans l'objectif de prendre en expérience, d'apprendre un peu plus sur la flotte. C'est une flotte où on débute en J70, on vient tous du dériveur ou du catamaran, et c'est un peu nos débuts. Nous on a un équipage jeune, c'était une volonté de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on est tous en dessous des U25, donc on est 4. Là aujourd'hui on a Armand avec nous. Armand, tu peux venir ? C'est super cool de naviguer avec des jeunes, on a navigué en dériveur et c'est une bonne manière de continuer la voile en habitable. Alors nous on vient d'Aquitaine, on s'entraîne dans le complexe VSB avec 4 bateaux. Donc pour nous c'est hyper important d'être présent sur le GPEN parce que c'est une régate nationale. Il y a vraiment un bel enjeu. Là, on est en train de jouer le podium, donc on s'arrache à fond. C'est un peu plus dur aujourd'hui, les conditions sont pas faciles. Il y a beaucoup de rotations devant à voir. Ça reste compliqué, mais on va tout faire pour s'arracher et monter sur le podium.